What the fuck's it cost? Yo les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Isra, on se retrouve pour le deuxième épisode de Risen Oula. Oula, il m'a fait très très mal. Dans mon intro, il n'a pas honte, alors là, on va devoir s'occuper de lui. Ok. What the fuck? Il est carrément méchant. Et voilà. Merde, on a trop de souffrance. À deux c'est plus facile. Ok les amis, eh bien si vous avez vu le premier épisode, vous avez vu que nous incarnons une sorte de pirate, enfin pas vraiment un pirate, un marin, avec sa sœur Patty. Apparemment ils sont en quête d'un trésor dans le temple, dans ce temple là. Et nous allons découvrir si ce trésor existe réellement. De l'or, oui de l'or, oui de l'or, encore de l'or. Vieille épée, tiens. Here lies Captain Rawlings, an old adversary of Admiral Alvarez. Ok. So, our admiral has one less enemy. He must have been looking for the same thing as us, the vast treasure of the Crab Coast. I guess the temple didn't intend to give up its riches easily. How long are we going to hold out before suffering the same fate? L'Amiral Alvarez, c'est-il que nous sommes là? Tu dégonfles. Does Admiral Alvarez actually know we're here? No. So you haven't told him? Oh, come on. He doesn't need to know everything. I don't want to share the treasure with him. It's our lives we're risking here. Tu dégonfles. Are you getting cold feet? This place gives me the creeps. There's something not quite right here. We should have found something ages ago. A clue, a sign, anything. We haven't been everywhere yet. I'm not sure if I still want to. So you be careful. Ok. Ce qu'on va voir, on va voir l'ancienne épée. Ah non. Apparemment je ne peux pas regarder. Ah, vieille épée. Ok, c'est dans le butin. Ok, bon. Eh bien. Later maybe. Eh oui. Non, c'est pas par là. C'est par là. Je vais pas me tromper encore. Ah, deux chemins. Deux chemins. On va utiliser celui-ci parce que je pense que le principal c'est l'autre. Du coup. Oula. On va essayer de ne rien rater. Surtout les coffres. Ah. Bonjour. No more ammunition. No more ammunition. Ah, plus de munitions. Oh merde, là je suis dans la merde par contre. No more ammunition. Ah putain, j'ai plus de munitions. Ok, il m'a mis par terre. Fuck, on va prendre du rhum. Je peux pas ouvrir, je crois, en combat mon inventaire. J'aurais bien pris des couteaux de lancer. Par contre, si je peux sortir de là. Oula, il fait hyper mal. Mais où est ma sœur? Mais où est ma sœur? Je vais mourir. Viens près de moi. C'est plus simple en fait quand on a le pistolet. Et voilà. C'est bien comme ça aussi. Oh, vieille épée. Ok. On va se mettre équipement, on va se mettre dague de lancer. Le problème c'est que j'ai plus de mine en fait. Donc on va se prendre les dagues de lancer. Où est Patty? Tu viens? I'm back. You can go there by yourself. Come on. Ah, elle attend. Ah ok, bon, apparemment je dois faire ça tout seul. Je dois faire ça tout seul. Très bien, bon, on va essayer. Ah, 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 sarcophage. Potion rituelle. Cette potion renforce l'effet des autres potions. D'accord. Très bien. Qu'est-ce que... oh, what the fuck, il m'a fait trop peur. Enfin elle, puisque c'est une araignée, mais elle m'a fait trop peur. Ok. What the fuck? What the fuck? Bon, on le saura. On s'approche pas des cocons. Des cocons chelous. Très bien, bon il n'y avait pas grand chose. Espace. J'ai fait espace. On va manger des provisions, je n'ai plus de rhum. Génial. C'est fait exprès, c'était fait exprès. C'était fait exprès. Pourquoi je suis allé voir ce sarcophage? Ah, Patty. I'm back. Ok, let's go. Bon, c'est pas que ce temple m'ennuie, mais... où est le capitaine? Ah, s'il y a une sauvegarde, c'est qu'il y a quelque chose d'important. Du moins, je pense. What the hell? Je pense que c'est lui, le capitaine... what? Bon, c'est pas le capitaine en fait. Ah. Non. En fait, il me suffit de manger. Ça, c'est plutôt rigolo. Il me suffit de manger pour Cerbère des enfers. Ah ouais, d'accord. Pas mal le nom. Pour me soigner. Just look at the cave. I don't fucking know. I've never seen anything like this before either. I don't like this. What's up, sis? You scared? Come on, we're the children of Captain Steelbeard, the greatest pirate captain of all time. Father would never pass on something like this, and neither will we. There's something strange here. Let's explore. Be careful. We don't know what's ahead. Ok, on va voir ce que les chiens Cerbère, je sais pas quoi, des enfers contiennent. Later maybe. Apparemment ils ont rien sur, on peut pas les piller. C'est qu'en enfer il n'y a pas de trésor. Ok. D'accord. What the fuck, c'est quoi ça? Ok. Est-ce qu'il ne nous a pas donné un pouvoir, un truc comme ça, tu vois? Ça, tu vas commander maintenant. After all. No, don't talk such crap. I'll get you out of here. It's too late. No. No. Quoi, on meurt? What the fuck? Goodbye. Trois semaines plus tard. Alors vous allez pas dire qu'on est un mort vivant. Je pense que c'est ce que nous savons. Oula. What the hell? Easy. You're not ready yet. Take your time. What? Have patience. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? One thing at a time. After death, it takes time for your mind to clear. Believe me, I know what I'm talking about. My spirit was trapped in the underworld once too. Nouveau rang perdu. Ok. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. You've got no idea. Fine. Then tell me what you were doing buried. Having a little nap. Look, I was... And where is your companion? You didn't come here on your own, did you? Patty. Yes, exactly. She buried you and has long since gone. But from now on, I'm going to keep a beady eye on you, so you don't lose the rest of yourself. Qu'est-ce que les ombres m'ont fait? What did the shadows do to me? Désolé, je suis obligé de me mute des fois parce que ma petite fille pleure. And took your spirit to the underworld. You're just a spiritless, empty shell. It's only a matter of time before you become nothing but a soulless minion of the underworld. Pourquoi moi? Why me? No idea, but someone in the underworld doesn't like you. Wrong place, wrong time, perhaps. Me? A minion of the underworld? Yes, my friend, you will become a demon, a lackey of the underworld. It will be a long and painful existence that'll end in damnation. Alors, vous m'envoyez ravi, ce qui compte c'est que mon équipage soit sain et sauf, le reste n'a aucune importance, vous me faites marcher, c'est ça. Ce qui compte, non, vous m'envoyez ravi. Well, that cheers me up. Oh, there's no time for that. You need to find your spirit fast if you don't want to succumb. You are weakened and have forgotten much. You need a powerful mage. Two would be even better. Living without a spirit is no easy thing. Believe me. Comment on part d'ici? How do we get away from here? I've a sloop at anchor in the bay. It's no battleship, but fares well enough. Je veux explorer les environs. I want to look around. Mais non, je voulais pas en fait. Do what you must, but don't forget you've no spirit. If you don't want to mutate into some demon, you'd better pull your finger out. If you have any more questions, I'm right by your side. Alors, on a maintenant un nouveau menu. Vous avez acquis assez de gloire pour augmenter vos attributs, les modifications seront appliquées lorsque vous quitterez le menu. Très bien. Alors on peut choisir le corps à corps, Modifie les dégâts des armes au corps à corps. À distance, modifie les dégâts des mousquets et des fusils. Ruse, modifie les dégâts causés par les dagues, lancers, les pistolets, les arbalètes. Influence, modifie le seuil de langue de velours et intimidation. Résistance, détermine le niveau d'armure contre les armes et la magie. Dextérité, modifie la limite de vol à la tire et de crochetage. Ok, il y a un nombre de gloire. Magie, détermine l'effet des sorts et esprits. Détermine l'effet des potions et des visions astrales. Ok, vous savez que j'aime beaucoup la magie. Détermine l'effet des sorts. Ouais. On va augmenter le corps à corps sûrement. Mousquet, fusil, bof, on va augmenter la ruse. Et bien ce sera tout. Oui. Votre mort vous a donné la capacité de voir dans le monde souterrain. Ah bon? Ah. Ok. Des compétences supplémentaires peuvent vous aider à identifier certains objets du monde souterrain plus facilement. D'accord. Bon, très bien. Allons, mettons les voiles. Allez, mettons les voiles. The rowing boat will get us to the sloop dry. Ok. Trouver la gabarre de Bones. On a réussi. Et maintenant, puis-je trouver des sorciers puissants? Where can I find them? There are powerful sorcerers on the southern seas. Je suis désolé, hein, pour les bruits derrière. Some of them are spiritual leaders of communities. But make sure you find yourself a strong one. They will help you regain your spirit. Where are the exiled mages? As far as I know, they've settled on the Thunder Isle of Tyrannis. They're digging up the island of Gnomes, searching for small magic crystals. And only the mages know what they'll be used for. What about the Inquisition? They lost their supremacy on the southern seas long ago, but the sugarcane plantation on Takarigua may still be there. I'm not sure the Bluecoats can help you, but who knows? I need a druid now. I heard of one on Kalador. I think the druid is called Eldric. He's supposed to be the spiritual leader of the Demon Hunters. They are extremely powerful dark warriors with their own kind of black magic. I'm sure they'd help you. The natives are powerful voodoo sorcerers. That's true. The tribe that you should find most interesting lives on the island of Keela. Strong warriors, mighty shaman. Pretty powerful voodoo. I should think you'll find what you're looking for there. I think you have enough information to find a powerful sorcerer now. You must decide where you want to go for help. On a le choix entre deux questions. Qui êtes-vous au juste ou Patty? On va plutôt faire allez, c'est parti. Come on, let's go. Sure. Bon, et bien après la discussion, on a le choix entre plusieurs destinations, hein, puisqu'il nous a expliqué pas mal de choses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir vers Takarigua, c'est l'île la plus proche, aussi appelée l'île du sucre. L'Inquisition, il y avait une plantation de sucre très rentable. On va aller voir ça. Voulez-vous vraiment rejoindre cette destination? Oui. Allons vers Takarigua. Takarigua, plutôt. Ouais, je crois que c'est ça, Takarigua. The Risen Alvarez wants to see you. Ghost ships? I've seen something like them before, but that was a dream. No, this is no dream. It's Crow. Pirate Captain Crow. That cutthroat. But he's fucking dead. He's returned from the underworld and he's boarding every ship he comes across with his cursed fleet and minions. Underworld? We've got to get away. If they find us, we're done for. Très bien, nous avons fini apparemment le chapitre 1 qui était le temple. Maintenant, deuxième chapitre. Et je me demande, est-ce que je vais... Ah tiens, on va d'abord lui parler avant de le quitter. Bon, enfin, il va quitter le groupe, pas nous. On va devoir continuer. Eh bien les amis, on continuera dans le prochain épisode. Plein de choses se sont passées dans cet épisode, hein. On a quitté notre sœur, on est devenu, enfin on est mort puis on est revenu grâce à Bones. Du coup, on va aller voir, qui peut nous soigner, qui peut nous aider. Alors, on va aller voir sur cette île. Mais ce sera dans le prochain épisode. J'espère que vous, cet épisode vous aura plu. Je suis désolé pour les multiples mutes et les cris, etc. Derrière les bruits. J'espère que vous n'aurez rien entendu. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le liker. Vous pouvez aussi le partager sur Twitter et Facebook. Si vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien abonnez-vous les amis. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.